Mourad Zemali, bonjour. Bonjour. Alors les jeunes diplômés, une préoccupation majeure par rapport à leur taux de chômage. Avec le dispositif mis en place pour booster l'entrepreneuriat, sent-il aujourd'hui ces dispositifs suffisamment fiables? Ils commencent à être fiables, surtout avec les nouvelles mesures, les nouvelles démarches que l'ONSEJ a entamées envers les jeunes diplômés au niveau des universités, avec l'ouverture des maisons d'entrepreneuriat, avec l'ouverture des annexes spécifiques au niveau des cyberparcs. Donc tout ça commence à attirer cette élite vers le dispositif. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il y a eu pas moins de 333 000 micro-entreprises créées en 17 ans, de 97 à ce jour, c'est-à-dire en 2015. Cela reste relativement faible quand on sait que certains pays en créent en moyenne 100 000 par an et que nous accusons aussi parallèlement un retard de 2 millions d'entreprises à créer, monsieur Zemali. C'est vrai, on accuse un retard dans le nombre d'entreprises à créer, mais ces dispositifs commencent à évoluer. Si on voit les chiffres, par exemple, des entreprises qu'on a financées, par exemple, à titre d'exemple, je prends quelques secteurs très stratégiques, l'agriculture. De 1997 à 2010, on avait une moyenne annuelle de 972 micro-entreprises financées. De 2011 à 2014, la moyenne, elle est devenue à 3400 micro-entreprises, une augmentation de 475%. Je prends le secteur de l'industrie aussi. Il y a eu une moyenne annuelle de 720 entreprises entre 1997 et 2010. Entre 2011 et 2014, c'est 6535 entreprises. Ça veut dire une augmentation de 670%. Donc les quatre dernières années, avec les mesures, et les allègements, et l'évolution et l'adaptation de ce dispositif, le nombre augmente. Et aussi, il faut voir aussi le nombre d'emplois qu'on a créés. Ces 333 000 micro-entreprises, ils ont créé au démarrage 803 000 postes d'emploi. Alors justement, 803 000 postes d'emploi, 333 000 micro-entreprises créées au niveau de l'ANSEJ de 97 à ce jour, c'est-à-dire en 2015, seulement pour le dispositif ANSEJ, les 333 000, ou tous les dispositifs micro-entreprises existants, CNAN, ANGEM? Non, seulement le dispositif ANSEJ. Si on ajoute ceux de la CNAC et ceux de l'ANGEM, c'est sûr que ça va être encore plus important. Mais avec les mesures prises récemment dans le cadre de la loi de finances où des micro-entreprises ont bénéficié de rabattements fiscaux qui varient de 5 à 12%, est-ce que ce nombre pourrait augmenter très rapidement et prochainement, M. Zemali? C'est sûr, on a constaté toute nouvelle mesure, elle influence automatiquement sur le nombre d'entreprises financées. Et puisque vous parlez des nouvelles mesures de la loi de finances 2015, si vous permettez, parce que c'est très important, on n'a jamais... C'est la première fois qu'on en parle. Donc, la loi de finances de l'année 2015 prévoit des mesures d'allègement en matière de taxation des micro-entreprises. Ce qu'il faut savoir, l'architecture du système fiscal en Algérie, il y a deux types d'impôts, ou les deux types de régimes. Il y a le régime réel et le régime forfaitaire. Le régime forfaitaire concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dinars. Et le régime réel, c'est quand le chiffre d'affaires dépasse les 10 millions de dinars. Donc, la micro-entreprise, elle était, avant 2015, elle était soumise à l'impôt réel, quel que soit son chiffre d'affaires. Même si elle avait un chiffre d'affaires moins de 10 millions de dinars, elle était soumise à un impôt réel, c'est-à-dire comme les grandes entreprises, donc elles payaient l'IBS, l'IRG, la TAP, la TVA. La loi de finances 2015, donc les nouvelles mesures de la loi de finances 2015, premièrement le seuil, c'est plus de 10 millions de dinars, c'est 30 millions de dinars, le seuil de l'impôt forfaitaire unique. Et l'entreprise, la micro-entreprise, que ce soit les micro-entreprises qui sont dans le cadre de l'ANSEJ, l'ANGEM, CNAC, sont soumis à cet impôt forfaitaire unique qui remplace l'IBS, l'IRG. Il couvre aussi la TVA et la TAP, parce qu'avant le jeune, quand il rentre en exploitation, dès le démarrage, il paie la TVA. Donc l'impôt forfaitaire unique remplace tout ça, et son taux, il est de 5% pour les activités de production et de 12% pour les autres activités. Donc c'est un allègement très très important pour les micro-entreprises.
ministre. Vous avez commencé à les mettre en œuvre puisque la loi de finances est entrée en vigueur à partir du 1er janvier dernier. Oui, on a commencé à les mettre en œuvre à partir du 2 janvier. Et j'ajoute là, avec ces mesures-là, les périodes d'exonération. D'exonération avant, 3 ans pour le Nord, 6 ans pour les zones à promouvoir et 10 ans pour le Sud, n'ont pas été, ils ont été maintenus. Donc, en plus de ces allègements, donc, le jeune aussi profite des périodes d'exonération. Mais par rapport à ces dispositifs, l'ANSEJ, est-ce qu'on a un niveau de recouvrement qui est quand même relativement appréciable? Parce que par le passé, on a toujours dit, les jeunes prennent de l'argent, n'investissent pas, ils remboursent. Je vous donne les chiffres. Donc en 2011, on avait un taux de recouvrement de 50%, en 2012, 63%, en 2013, 65%, et au 31-12-2014, on est arrivé à 70,40%. Donc les jeunes remboursent. Donc on a un taux de recouvrement de 70%. Fin 2000, décembre. Alors, fin 2014, pardon. Justement, aujourd'hui, avec un peu la baisse du prix du baril qui, en très peu de temps, a perdu pratiquement au plus de la moitié de sa valeur, est-ce que l'ANSEJ ne va reconnaître l'austérité budgétaire? Non, non, pas du tout. Au contraire, là, je vous garantis, il n'y a aucune instruction dans ce sens. Et au contraire, les orientations qui ont été données, c'est pour encourager la création d'entreprises. Parce que si on veut édifier une économie moins dépendante des hydrocarbures, il faut promouvoir la création de l'entreprise. Moi, j'ai toujours dit, ces dispositifs, c'est eux les après-pétrole. Donc, au contraire, on a prévu pour l'année 2014, 60 000 micro-entreprises pour l'ANSEJ, la CNAC 30 000, donc on va arriver à 90 000 micro-entreprises pour l'année 2015. Donc, aucune restriction dans ce sens. Alors, promouvoir la création de micro-entreprises, les profils recherchés aujourd'hui, quand on sait que par rapport au décryptage du taux de chômage qui a été communiqué récemment par l'ONS, qui a atteint les 10,6%, 16% sans les diplômés, est-ce qu'il y a plus de possibilités aujourd'hui pour les diplômés de créer leur propre micro-entreprise? Oui, nous, on les encourage. Premièrement, pour le chiffre de 16,8%, il faut savoir... ce sondage ou cette enquête a été faite au mois de septembre. Donc, généralement, le mois de septembre, c'est mois de juillet, août, c'est la sortie des diplômés. Donc, automatiquement, il y a un arrivage très important des diplômés vers le marché de travail. Donc, le taux augmente parce qu'il était en avril à 14,3%. Il est monté à septembre à 16,4%. Je suis sûr avec la prochaine enquête, il va diminuer. Donc, nous encourageons ces jeunes diplômés à venir vers ce dispositif pour créer des micro-entreprises, surtout en ce qui concerne les start-up. Donc il y a un accompagnement spécialisé dans ce domaine-là pour les jeunes qui veulent créer des start-up et qui veulent créer des micro-entreprises. Mais est-ce que vous avez un éventail de, par exemple, de micro-entreprises qui est très variable aujourd'hui? Puisqu'on a parlé de la fiabilité de la micro-entreprise aujourd'hui, est-ce que vous avez des profils spécifiques? On parle déjà, on est arrivé presque à 798 activités financées par l'ANSEJ. De quel type, de quel ordre? Toutes les activités de l'agriculture. Certains disent que les gisements importants aujourd'hui, c'est l'agriculture et le tourisme. Oui, l'agriculture et le tourisme. Ce qu'on constate, par exemple, en 2014, on a financé sur. On a le total d'entreprises financées en 2014, on est à 40 856 micro-entreprises. 27%, c'est des micro-entreprises dans le domaine de l'agriculture. Donc, vraiment, c'est un domaine très, très varié. Je peux vous donner quelques types d'activités financées dans le domaine de l'agriculture. Pardon. Donc, on a dans le domaine, il y a à peu près 21 activités dans le domaine d'élevage. De l'élevage bovin, l'élevage de caprin, l'élevage d'animaux domestiques. Donc, il y a 21 activités. Il y a des exploitations agricoles aussi. Il y a aussi les prestations agricoles, tout ce qui est location d'engins dans le domaine agricole. Donc, vraiment, il y a une variété, rien que dans le secteur de l'agricole. Donc, on constate qu'il y a une augmentation de 27% entre 2014 et 2013. La même chose pour l'industrie. Il y a une augmentation de 35% entre 2014 et 2013. Par exemple, le cas du transport, il y a une diminution de moins 90%.
Donc vraiment, presque c'est nul cette année. C'est le problème des procédures qui quand même restent relativement difficiles. Parce qu'il faut se le dire aussi, 333 000 micro-entreprises créées en 17 ans, cela reste relativement faible. S'il y avait des allègements, on aurait quand même multiplié ce chiffre facilement par 3 ou 4. Oui, on va le multiplier dans les années à venir. Hein. Parce que si on voit les 333 000 projets financés en 17 ans, 50% ils ont été financés dans les 4 dernières années. Donc le rythme augmente. C'est vrai, la bureaucratie, tous ces problèmes-là, freinaient le rythme de financement. Maintenant, avec les allègements apportés au dispositif, je peux citer deux ou trois. Donc l'inscription se fait à travers un seul formulaire, l'inscription en ligne. Le dossier entre le dépôt et le passage devant la commission, il ne dépasse pas les 15 jours. Au niveau des banques, moins de 2 mois. Donc, toutes ces mesures-là ont influencé le rythme de financement de micro-entreprises. Et rien que pour l'année 2015, qui est prévu entre nous et la CNAC, à peu près 90 000 projets seront financés. Mais ces allègements dont vous parlez sont-ils réels aujourd'hui, M. Zemali, ou sont-ils en vigueur à travers tout le territoire national? Parce qu'il est arrivé qu'on reçoit des jeunes et qui se plaignent encore des lourdeurs de procédures et le traitement des dossiers qui prennent parfois jusqu'à 6 mois. Normalement, ils sont réels et ça concerne tout le territoire national. Je nie pas que peut-être il y a quelques centaines ou quelques gens s'il y a des défaillances, mais d'une manière générale, ils sont réels sur tout le territoire national. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, par exemple, de mettre à niveau tout le personnel de l'ANSEJ pour qu'il soit au même niveau d'information à tous les niveaux et traiter les dossiers dans la rapidité? Il est nécessaire et primordial. Vous le faites? Oui, depuis presque 2 ans, il y a des formations continues pour notre personnel. Parce que notre personnel, je vais vous donner un chiffre, 80% du personnel de l'ANSES est moins de 35 ans. C'est une vraie pépinière, c'est des jeunes aussi, eux aussi. Donc on est en train de les former. Je suis sûr que dans les années à venir, on aura une ressource humaine très compétente. Alors le crédit bail, ça y est? Ça y est. Il n'existe plus. On ne l'exige plus. À la création de l'entreprise. Donc, ça a aussi favorisé la création de l'entreprise. Parce que c'était un élément de blocage du public. Mais est-ce que, par exemple, au niveau de l'ANSEJ, vous envisageriez peut-être d'aller vers les universités, carrément pour expliquer aux jeunes le dispositif mis en place aujourd'hui? Parce que pour certains, beaucoup ne connaissent pas ces nouvelles procédures qui sont mises en vigueur. C'est vrai, il y a toute une opération de communication, une campagne de communication envers les jeunes, et surtout au niveau des universités. J'ai cité tout à l'heure l'ouverture des 50 maisons d'entrepreneuriat au niveau de 50 universités en Algérie. C'est pour rapprocher ce dispositif aux futurs diplômés. Donc parce qu'on est conscient, ce dispositif réussira grâce à l'élite qui se trouve à l'université. On ne peut pas aussi écarter les jeunes de la formation professionnelle. C'est des diplômés. Et aussi, même, il y a des gens qui ont acquis une expérience. Ça aussi, on essaie de les intégrer, de les orienter vers des formations. Donc, on y travaille sur ce volet. La communication, pour vous, c'est un axe primordial? Très important. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est très important. Est-ce qu'on peut avoir une estimation sur le coût moyen d'une micro-entreprise? Combien coûte-t-elle à l'État aujourd'hui? Puisqu'on parle aussi d'un niveau de mortalité qui reste élevé. Non. Le niveau de mortalité n'est pas du tout, il est de 4,27%. Le taux arrêté à fin décembre 2014, on a un taux de mortalité de 4,27%. Et ce taux est évalué sur la base du nombre de projets indemnisés par le fonds de garantie. Donc c'est des chiffres réels. Le taux de recouvrement, il est de 70%. Là, j'ouvre une parenthèse. L'année 2014, on a financé à peu près 2000 micro-entreprises par le produit de recouvrement. Donc on n'a pas fait appel, au financement de réseau public. Donc le dispositif s'est autofinancé, donc à peu près 2000. Et à l'avenir, peut-être dans 5 ans, 10 ans, un pourcentage très important des projets financiers seront financés par les produits de recouvrement. Donc revenons au coût moyen d'une entreprise, ça c'est très très important. Ce qui revient à l'État, donc le coût définitif, ce que dépense l'État pour la création d'une entreprise,
il est de 92 118 dinars l'entreprise. Je dis concours définitif. Et le nombre, le montant pour le coût de l'emploi, 38 162 dinars. C'est vraiment insignifiant. Parce que je ne parle pas de l'apport personnel, je ne parle pas de crédit bancaire où le jeune doit rembourser, le PNR où le jeune doit rembourser. Je parle par rapport au concours définitif de l'État. Donc le coût d'une entreprise est de 92 000 dinars. C'est vraiment insignifiant. Alors, mais est-ce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui pour l'accompagnement, le suivi de ces micro-entreprises, puisqu'ils ont besoin aussi d'apprendre ce que sont aujourd'hui, par exemple, les techniques managériales? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait pour leur permettre de se développer, de passer de la micro-entreprise à la petite et moyenne entreprise, ou du moins à la TPE? Merci pour cette question, parce que cette question, la question de l'accompagnement, nous interpelle tous. C'est une affaire de la société, de tous les secteurs, de tous les opérateurs économiques. Vous pensez que l'ANSES peut suivre les 333 000 micro-entreprises? Impossible. Pour cela, nous demandons que les autres secteurs, de suivre cette micro-entreprise, de l'accompagner une fois elle rentre en exploitation. Vous parlez des autres secteurs, lesquels, pour être tous précis? Tous les autres secteurs. On finance une entreprise dans le bâtiment, une fois elle rentre en exploitation, le secteur du bâtiment doit la prendre en charge. Dans l'agriculture, le secteur de l'agriculture doit la prendre en charge parce que ces secteurs connaissent mieux les spécificités du secteur que nous, premièrement. Deuxièmement, nous, on essaie de donner une formation pour les jeunes, une formation sur des généralités de management, de négociation dans le marché, comment remplir les déclarations fiscales au niveau de la sécurité sociale. Et on essaie, quand un jeune a un problème, il vient vers nous, on essaie de l'accompagner auprès des administrations, mais pour le coaching post-création, c'est une affaire de tout le monde. Si on veut que ces micro-entreprises durent et créent de l'emploi et créent de l'activité, il faut que tout le monde participe dans l'accompagnement de ces micro-entreprises. La formation professionnelle vous accompagne dans cette démarche que vous initiez aujourd'hui, l'accompagnement et le suivi des jeunes? Là, vraiment, je salue la formation professionnelle parce que depuis une année ou deux ans, on a signé plusieurs conventions avec les centres de formation professionnelle, les 10 centres de formation professionnelle au niveau de chaque wilaya, surtout pour les jeunes qui viennent, qui ont des expériences et qui n'ont pas de diplôme, parce que maintenant on exige un diplôme. Donc, c'est des formations à la carte. Donc, on oriente ces jeunes vers des centres de formation. Et c'est des formations à courte durée, 2 mois, 3 mois, et ça commence à donner vraiment des résultats extraordinaires. Il y a à peu près 5 ans, l'ANSES, j'avais initié par rapport aux diplômés sortis de l'université, les cabinets groupés. Il s'avère aujourd'hui que ces cabinets groupés ne sont pas suffisamment vulgarisés et très peu de jeunes adhèrent à ces cabinets groupés. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très simple, pour un médecin, ils peuvent se mettre à 2 ou 3 pour ouvrir, par exemple, une petite clinique qui regrouperait la cardiologie ou je ne sais pas moi, par exemple, aussi, par exemple, les maladies lié au diabète, etc., ou faire aussi de la radiologie. Mais ça marche très peu. Pourquoi? C'est dommage. C'est pour cela que je vous dis, pourquoi ne pas aller vers les universitaires? Non. Dans l'agriculture, vous pouvez aussi, par exemple, recruter des jeunes sortis de l'Institut d'agronomie, etc. Les vétérinaires également pourraient créer ces gros centres, ces cabinets groupés. Vous avez entièrement raison. C'est dommage pour le PNR supplémentaire cabinet groupé. Il n'a pas tellement fonctionné. Vous ne l'avez pas suffisamment vulgarisé? Non. C'est un problème que les gens préfèrent s'installer seul. Mais maintenant, vous exigez à ce qu'il soit 3 minimum? Non, 2. Groupé, 2 peuvent créer un groupe. 2, 3, 4, 5. Donc ça n'a pas marché. Contrairement, par exemple, au vieux fil d'atelier, quand en 2014, on a dépassé presque les 2800 vieux fil d'atelier financés. Contrairement au PNR loyer qui est donné pour une seule entreprise aussi, on a dépassé les 3000 PNR loyers octroyés. Pour le cabinet groupé, on a constaté que les jeunes veulent être seuls, ne veulent pas être en groupe. Peut-être parce qu'ils ne sont pas informés. Si, ils sont que informés. Que cela existe. Ils sont informés. Alors, et pour les décisions du gouvernement, est-ce qu'elles sont réellement appliquées? Vous faites un suivi. La commande publique, 20% devrait revenir à la micro-entreprise. Est-ce que c'est effectif? Ou alors seulement on en parle? Non, elle est effective, mais pas comme on veut. Parce que les textes d'application de cet article
ils ont été publiés durant l'année 2014. Donc on constate qu'il y a, vraiment il y a le rythme d'application de cet article, il est très lent. Pourtant, la décision a été prise par le gouvernement il y a à peu près 5 ans. Non, en 2012. Il y a des orientations qui ont été données dernièrement pour les autres. Parce que ce n'est pas une décision de gouvernement. Parce que l'application, si au niveau local, au niveau des administrations locales, au niveau du wilaya, au niveau des APC, au niveau des opérateurs économiques, mais on est en train d'essayer de sensibiliser ces administrations sur l'importance de l'application de cet article, parce que c'est une des raisons pour assurer la pérennité de ces micro-entreprises et aussi des postes d'emploi créés dans le cadre de ces micro-entreprises. Les banques financent plus facilement aujourd'hui la micro-entreprise? Plus facilement. Est-ce qu'on peut avoir par exemple une estimation sur le chiffre des crédits alloués à la micro-entreprise? Parce que j'ai vu ici avec nous ce matin, vous avez ramené tous vos papiers, tous vos documents. Oui, je vais vous donner les chiffres, par exemple, depuis la création de dispositif, c'est-à-dire les 333 000 micro-entreprises, donc à peu près les banques ont octroyé 676 milliards de dinars. Le trésor public a octroyé 263 milliards de dinars durant 17 ans. Des montants recouvrés? Non. Sauf les 30%? Non, pas encore. Donc on est à 70% des montants qui sont arrivés à terme. Monsieur Mouradzi Mali, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.